Et coucou les émetteurs fistes. Donc on se retrouve pour le deuxième duel avec Rémi. Donc au premier duel qui, on va dire que qu'on a ramené le premier point mais de justesse. D'autant que ce soit moi ou Rémi avec nos deux choux, on n'a pas fait l'arrivée. Pour vous dire que on n'a pas été non plus tip top. Donc voilà. Donc on ramène un point mais c'était compliqué. Donc demain. Un nouveau duel à Vincennes sur une très belle course. Le prix Henri Lévesque. Voilà, belle course de groupe, de femelles. On perd pas de temps, les amis. On va écouter de suite la base et l'outsider de Rémi. Salut à tous, on se retrouve pour un second duel. Donc le premier duel a été remporté par Mika. Bon, je prends pas trop ça pour une défaite, puisque voilà, ses chevaux se classent 6e et 7e, et les miens 8e et 9e. Donc bon voilà, ils sont tous les quatre battus entre guillemets. Et en plus, j'avais choisi des outsiders, il a choisi les favoris, donc limite je suis un peu plus méritant dans cette histoire, mais bon, bien sûr je lui laisse le point, c'est la règle du jeu, mais. Ça m'embête un peu quand même de perdre alors que bon j'ai quand même tenté des trucs et que bon au final on est tous les deux un peu tombés à côté. Surtout que bon je suis bien content parce que j'avais bien dit qu'Hamilton Duhamel je le voyais pas du tout et que c'était un peu un piège ce cheval, qu'il allait être favori et c'était le cas et que je ne le sentais pas du tout. Et ben j'avais eu le pif parce que il a eu la bonne course et il n'a pas du tout fait l'arrivée. Il a été quand même bien battu. Et concernant mes chevaux, Hello Jaggi. Il est venu fort en dehors des animateurs. J'ai cru qu'il allait quand même bien tenir sa partie jusqu'au bout et prendre une des 5 premières places, ce qui m'aurait permis de gagner le duel. Mais à la fin, il a craqué dans les 50 derniers mètres. C'est là où je perds le duel. Heart of Glass, par contre, il a à reprendre parce qu'il a jamais pu s'exprimer. En fait, il était dernier dans le tournant. Martens, il a voulu tout reprendre. C'est pas une mauvaise chose. Mais le problème, c'est qu'après, dans le tournant, il s'est retrouvé dernier derrière tout le monde, quoi. Donc c'est. Après, il s'est faufilé dans la ligne droite, puis il vient finir 8-9e. Mais il a à reprendre, quoi. Donc bon, voilà, c'est tout. C'est pas grave. Hein. On va essayer d'égaliser donc samedi, donc voilà. La transition est toute trouvée avec ce prix Henri Lévesque samedi à Vincennes. Un groupe 2, donc avec des éléments de qualité. 1 700 mètres. Grande piste. Donc moi mon favori, ce sera ma favorite plutôt, puisque ce sont des femelles. Hein, 15 femelles de 5 ans. Alors ma favorite sera le numéro 15, Anadémol, puisque tout simplement, voilà, après une rentrée sage, ferrée des 4, voilà, son entourage la défaire des 4 pieds, elle possède de très beaux titres, Alexandre Abrivard est plutôt confiant, on connaît la forme de la famille Abrivard ces derniers temps. Elle peut encore manquer d'une course, parce qu'elle a eu qu'une course de rentrée et qu'elle sera directement déférée là. Mais bon voilà, Alexandre Abrivard l'a clairement dit, il vise la victoire, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, faudra qu'elle reste au trot, que tout se passe bien et qu'elle respire bien, elle a pas une grosse marge, mais bon, normalement elle devrait être dans les 5 et j'espère gagner quoi. Et ensuite, mon outsider, donc ma base le numéro 15 Anadébol, et mon outsider le numéro 12 Eliette du Goutier. Bon, alors elle pour le coup c'est vraiment une rentrée. Mais par contre, elle a quand même déféré des 4 directement, confié à Gabi Gelormini. Donc voilà, Sébastien Guerato, voilà, on connaît ses qualités d'entraîneur. Je pense que s'il défère des 4 d'entrée de jeu, c'est que bon, il a peut-être une idée derrière la tête, mais je pense surtout que bon, voilà, il a semble compétitif d'envolée. Elle a travaillé, voilà, elle a bien travaillé. Hein, elle vient pas comme ça en touriste, elle a bien travaillé. Elle possède des très bons titres, voilà. En classe pure, elle peut même gagner, quoi. Mais bon, c'est une rentrée, mais c'est pour ça que je la mets comme outsider. Elle serait quand même beaucoup jouée, je pense, parce que voilà, l'écurie Saint-Martin est toujours très connue auprès des parieurs. Et donc voilà, Gabi Gelormini, Sébastien Guerato, des verrés des 4 d'entrée de jeu pour sa rentrée. Il y a du Gucci, ça peut suffire. Donc voilà. J'ai pas trop. J'ai pris un peu des chevaux un peu plus joués. Alors c'est pas forcément parce que j'ai envie d'égaliser, parce que bon voilà, les duels. je suis avant tout là pour passer un bon moment et gagner un duel, c'est pas non plus ce qui va me changer ma vie. C'est
c'est surtout que voilà, quand je vois des outsiders, je les vois. Quand je vois les favoris battus comme hier, comme ce vendredi, j'avais raison, le favori est battu. Donc si je vois le favori battu, je joue contre le favori. Mais là, je pense que le 15 et le 12, honnêtement, voilà, quoi, s'ils font leur course, ils vont être là. Donc il n'y a pas de raison que je cherche autre chose. Pour moi, Anna Demol, ma base devrait être là, tout comme le numéro 12 et le Dugouti. Donc voilà, ma base est Anna Demol, le numéro 15. Mon outsider, le numéro 12 et le Dugouti. Allez, bye bye, on se retrouvera dimanche pour un quintet. Un vrai sport, le plat, pour Paris-Longchamp. Allez, salut. Donc sa base, il est parti avec Anna Demol, donc la grosse favorite, bien sûr. L'outsider, le 12 Elia Dugoutier, qui sera en vue aussi, mais qui aura pour elle de faire une grosse rentrée. Donc voilà. Pour ma part, demain, favori. Bon, il a choisi Anna Demol. Faut qu'on change de tir, les amis. Donc je vais prendre Ugawa. Voilà, Jean-Michel Bazir. Je pense qu'elle a dû être préparée pour donner chaud un petit peu à Anna Demol. Et mon outsider, moi j'aimais, c'est ce 7, Alicia Bella. Voilà, c'est Madame 100% déférée des 4. Et surtout sur ce parcours, elle nous a jamais déçus. Et j'espère l'avoir au moins demain devancer peut-être ce 12 Elia Dugoutier s'il lui manque un peu d'une course ou quoi. Mais bon, j'espère que mes deux chevaux seront devant les siens pour remporter déjà ce duel. Parce que si demain remporte ce duel, dimanche, je vais pas trop faire le malin dans la discipline du plat parce que je risque de prendre une fessée par Rémi. Donc voilà. Donc en tout cas, je dis bonne chance à Rémi pour demain. Voilà les amis. Donc moi, je vous dis au dernier duel pour demain. Bon jeu, bon pronostic. Allez.